et vous parlez de l'OIF. C'est très bien. J'aurais souhaité que vous parliez de l'Alliance française, qui est présente dans un beaucoup plus grand nombre de pays, qui est faite largement de bénévoles et qui a joué pour la dissémination de la langue et surtout de la culture française un rôle historique et international de premier plan, probablement d'un impact plus important que l'OIF. Et aujourd'hui, cette organisation n'est pas, je dirais, nourrie par la France et en particulier par le Quai d'Orsay, qui est en quelque sorte son mentor, comme elle devrait l'être. J'en prends pour exemple qu'en juillet dernier, pour des raisons qui m'échappent et qui échappent à beaucoup de monde, le Quai d'Orsay a fermé l'Institut français de Naplouse, qui était pratiquement la seule fenêtre sur le monde de cette ville de Cisjordanie de 150 000 habitants. Ce n'est pas comme ça qu'on défend la langue française. Alors on peut faire des réunions dans le monde entier, y compris à Yerevan, qui n'est pas une ville francophone, et fermer l'Institut français de Naplouse, qui a près de 400 étudiants, qui se retrouvent tout à coup devant une porte close, eh bien, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de développer la francophonie et d'offrir au monde ce que la culture française a à lui offrir.